ta vie est sur le point de changer. Le crois-tu? Amen. Ta vie est sur le point de changer. Dans Proverbe 31, nous voyons la description de la femme vertueuse, la femme qui semble parfaite. Elle se lève tôt le matin et elle fait tant de choses pour être agréable à son mari et à Dieu. Et au verset 25, il est dit, la femme vertueuse est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de la vie. Elle est revêtue de force et de gloire. Voilà le caractère, voilà l'attitude que nous devrions avoir, nous, en tant que femmes. Nous devons nous revêtir chaque matin de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ne craint pas l'avenir. Elle se rit de l'avenir parce qu'elle sait que son Dieu est avec elle. Les mensonges du diable paraissent tellement vrais. Tellement vrais. Mais pourtant, ils sont tellement faux. Voilà la réalité, ils sont tellement faux. C'est pourquoi je dis non. Ta vie ne serait pas comme elle est au jour d'aujourd'hui éternellement. Non, 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 tu ne resteras pas indéfiniment dans cette situation dans laquelle tu passes pour l'instant. Tu ne vas pas mourir de cette maladie qui frappe ton corps pour l'instant. Non, tu ne resteras pas indéfiniment seul. Si tu es seul encore célibataire, ce n'est pas ta situation. Dans l'avenir. Non, ta situation financière ne va pas continuer à se dégrader jour après jour. Tu dois voir l'avenir avec espérance. Tu dois voir l'avenir avec joie et avec vraiment une attitude de confiance en Dieu. Parce que si l'Éternel est avec toi, eh bien il n'y a aucune situation qui peut être nuisible pour ta vie. Parce qu'il fera concourir toutes choses pour ton bien. Toutes choses pour ton bien. Et même le mal qu'on essaiera de te faire, même le mal sera transformé en bien pour que tu puisses prospérer, pour que tu puisses vraiment aller de l'avant, pour que tu puisses entrer dans les plans que Dieu a prévus pour ta vie. Et les plans, nous le savons, que Dieu a prévus pour nos vies sont des plans d'espérance, sont des plans de paix et de joie. Oui, ça va changer. Oui, toi aussi, tu vas expérimenter l'abondance de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton arrivée. Ce qui revient à dire que tu seras béni au début quand tu acceptes Christ dans ta vie, mais tu seras aussi béni tout le long de ton chemin jusqu'à ton arrivée. Tu seras béni, tu recevras ta bénédiction. Oui, tu seras béni dans toutes tes entreprises. Ton avenir est glorieux. Mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu comprennes ceci. Ton avenir est glorieux. Il ne se contente pas à venir t'asseoir chaque dimanche dans une église et à lever les mains, écouter la parole qui est donnée et puis c'en est fini. Non, ton avenir est glorieux. Il y a vraiment un avenir glorieux devant toi. Dieu veut s'utiliser de toi. Dieu a mis des trésors enfouis en toi. Un trésor précieux que tu dois expérimenter, que tu dois faire ressurgir avec sa présence dans ta vie. Oui, je le répète, ton avenir est glorieux, car ton Dieu est glorieux. Et il en réserve pour chacun d'entre nous d'innombrables bénédictions. Aujourd'hui est ce qu'il est, avec tous ses défis et toutes ses luttes et ses combats. Mais demain, ça va changer. Il y a un avenir et de l'espérance pour ceux qui se confient en l'Éternel. Il y a un avenir devant toi qui ne ressemble à rien. Je le dis bien, à rien de ce que tu as connu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a un avenir qui est rempli de bonnes choses, de joie, de paix, d'amour, de rire. Oui, Dieu va changer ta vie. Dieu va bouleverser ta vie à un point tel que dans 10 ans, tu raconteras autour de toi ton témoignage. Et lorsque tu parleras de tes déboires, de tes problèmes et de tes difficultés que tu as passées, eh bien, ceux qui t'écoutent leur sembleront que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir un tel témoignage, d'avoir passé par de telles choses quand ils te regarderont avec cet avenir si glorieux dans lequel tu seras. Oui, les gens ne te croiront pas parce que quand ils te regarderont, cela leur semblera impossible. Dieu est glorifié dans cette situation.
réécrire ton histoire. C'est lui qui va changer ton histoire. C'est de sa main qu'elle sera écrite. Et Dieu n'écrit pas de mauvaises choses sur la vie de ses enfants. Au contraire, il écrit sans cesse de bonnes choses. Il écrit sans cesse des choses qui nous seraient inimaginables. Il nous redonne de l'espoir, il nous redonne des forces, il nous redonne la restauration de notre être intérieur. Dieu est là et il veille sur chacun d'entre nous. Oui, Dieu écrit chaque ligne de notre histoire de sa propre main. Et si parfois nous passons par les choses mauvaises, ce n'est pas qu'il a cessé d'écrire ou il a cessé de croire en toi, mon frère, ma sœur. Non, c'est simplement qu'il veut que tu apprennes quelque chose au travers de cette épreuve. Il veut te fortifier. Il y a un proverbe qui dit souvent « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Et c'est vrai. Parfois, les épreuves peuvent nous sembler tellement difficiles. On a l'impression sur le moment qu'on ne va pas les surmonter. On ne va pas pouvoir, on n'a pas la force. Et pourtant, en un instant, quand nous nous posons les genoux à terre et que nous disons « Seigneur, jusqu'ici, je suis encore debout, mais là, je ne vais plus y arriver. Seigneur, prends toi-même le relais parce que je n'ai plus de force. » Et là, comme une énergie surnaturelle surgit en nous et hop, nous reprenons force, nous reprenons vigueur et nous allons de nouveau de l'avant. Nous traversons les limites que nous pensions qui étaient infranchissables à nos yeux. Or que Dieu sait que non. C'est comme si à cet instant il te disait, mon enfant, je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi et je sais que tu peux aller plus loin. Je sais que tu peux aller plus loin. Relève-toi. Prends ma main et relève-toi. Nous sommes ensemble dans ce problème, dans cette difficulté. Je ne suis pas sur le point de t'abandonner. Je te tends ma main. Là où toi, tu n'y arrives plus, donne-moi ta main. Ensemble, nous allons y arriver. Et c'est cette relation qui fait que nous sommes renouvelés de l'intérieur, que nous sommes restaurés de l'intérieur, que nous sommes fortifiés. Parce que c'est vrai que Dieu, nous ne le voyons pas. Et c'est souvent les questions qu'on nous pose. On ne voit pas Dieu. Mais c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur. C'est une force inexprimable qu'on ressent à l'intérieur et qui nous relève, qui nous restaure. Dieu nous tient entre ses mains et tout est sous son contrôle. Il n'y a rien qui demeure hors de son contrôle. Personne ne peut le surprendre. Non, certainement pas. Certainement pas. Je te le dis, mon frère, ma sœur, Dieu va se glorifier dans ton histoire, dans ta vie. Dans ta vie, il va se glorifier et tu seras un témoignage vivant que l'Éternel est le Tout-Puissant et qu'à lui, rien n'est impossible. Pour arriver à Canaan, les Israélites ont dû marcher tout le long du désert. Longtemps, ils ont dû marcher dans le désert. Et il en sera même de même pour toi, mon frère, ma sœur. On ne peut pas passer à côté de ces moments de désert. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est là que Dieu vous attend. C'est dans le désert. Je t'attirerai dans le désert pour parler à ton cœur. C'est là qu'il nous attend. Et c'est là qu'il va se glorifier. C'est dans les moments de désert, de sécheresse, d'épreuve qui nous semblent si durs. C'est là, mon frère, ma sœur, c'est là qu'il t'attend. Et peu importe la route que tu vas emprunter, peu importe le temps que tu vas mettre, et peu importe les défis que tu vas rencontrer, tiens ferme et garde les yeux fixés sur celui qui peut tout. Car lui, il connaît le chemin. Il connaît le chemin, il te fortifiera. Le plus important est que tu arrives à ta destination finale. Le plus important est que tu rentres dans les plans parfaits que lui a préparés pour toi et qu'il a en réserve pour toi, pour ta vie. Ça, c'est le plus important. Le plus important, c'est que ton être intérieur, ta vraie identité en Christ, soit révélée au travers de ces épreuves. C'est là que tu vas trouver ta vraie identité, qui tu es vraiment avec lui, pas sans lui, avec lui, dans l'épreuve. Et tu sauras qui tu es. Et tu sauras comment il t'a créé dès le départ. Et comment l'ennemi a essayé d'étouffer cette personnalité. Parce qu'il savait, il voyait le danger qui arrivait devant lui.
Il savait que si tu étais déjà dès le départ cette personne que Dieu avait créée, parfaite comme lui l'a voulu, avec tes qualités, avec tes dons, avec tes capacités, c'était un danger pour lui. Et il a essayé d'étouffer. Il a essayé. Mais personne ne peut résister à l'appel de Dieu sur sa vie. Personne. Et même l'ennemi, avec tous ses projets, tous ses pièges qu'il peut faire et mettre devant nos pas, il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas à stopper cette identité qu'il a mis en toi. Parce que Christ veille sur chacun de ses enfants. Oui, il veille sur toi. Et il veille sur chacun d'entre nous. Aujourd'hui, je vais te dire que tu ne comprends peut-être pas pourquoi tu passes par ce chemin, par ces épreuves, par ces difficultés, et que tu subis tant de choses. Mais un jour, en regardant en arrière, tu comprendras que Dieu était là dans chacun de tes pas, et que jamais, oh non, jamais il ne t'a abandonné, que dans les périodes les plus difficiles, c'est même lui qui t'a porté dans ses bras. Parce que tu n'avais plus la force, parce que tu ne croyais plus peut-être. Bien là où toutes tes impossibilités arrivent, c'est Dieu qui se révèle. Oui, c'est Dieu qui se révèle. Merci Seigneur. Je peux te dire, mon frère, ma sœur, que tu es là exactement où Dieu veut que tu sois aujourd'hui. Il conduit toutes choses sous sa main puissante. Alors oui, regarde ton avenir avec espérance. Ris-toi de ton avenir. Ris déjà. Commence à sourire. Commence à avoir déjà la joie qui monte à l'intérieur de toi. Car Dieu est en contrôle dans les moindres détails de ta vie. Dans les moindres détails, il est fidèle. Et ses promesses sont vraies. Et elles vont s'accomplir. Au nom puissant de Jésus-Christ, elles vont s'accomplir. Oui. Regarde ton avenir et ris. Ris déjà, mon frère, ma sœur. Ris déjà. Par la foi. Par la foi. Commence déjà à te réjouir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es sur le point d'accomplir dans la vie de mon frère et de ma sœur des choses incroyables. Incroyables. Et tous ceux qui n'y croyaient pas seront confondus. Et tous ceux qui ont parlé sur toi, mon frère, ma sœur, le verront de leurs yeux que tu as été béni au-delà de toute espérance. Oui, il va te surprendre. Il va te surprendre au moment où tu t'y attends le moins. Et Dieu fermera la bouche à tes ennemis, à tous ceux qui s'opposent à toi, à tous ceux qui ne croient pas en toi. Dieu va les surprendre à eux aussi. Et il leur montrera que mon fils, ma fille a bien fait de croire en moi, même si il n'y avait rien devant ses yeux, elle a continué à croire, au-delà de toute espérance, à croire par la foi. Et maintenant, je vais l'exaucer, maintenant je vais changer sa vie, je vais la transformer, et vous tous, vous la verrez. Voilà la parole qui descend dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Oui, bientôt, je le déclare, bientôt, très bientôt, toutes les ténèbres qui t'entourent se changeront en une magnifique lumière éblouissante. Tu seras béni d'une façon incroyable. Le ciel est sur le point de s'ouvrir au-dessus de ta tête pour laisser descendre la bénédiction que Dieu a ordonnée pour ta vie. Personne ne peut s'y opposer, personne ne peut la stopper. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, qui peut s'y opposer? Personne. Alors arrête, mon frère, ma sœur, arrête de te plaindre. Arrête d'être triste. Arrête. Arrête de pleurer. Parce qu'il y a devant toi des jours meilleurs. Il y a une magnifique raison pour toi aujourd'hui de te réjouir déjà dans la foi. Déjà aujourd'hui. Parce que Dieu est sur le point de changer les choses pour toi. Oui, que la joie resplendisse déjà sur ton visage. Car Dieu va changer ta vie en ta faveur. Oui, il va te rendre au centuple tout ce que tu as perdu. Il va te le rendre au centuple. Toutes ces années qui te semblaient perdues te seront restituées. En un instant, tu verras les choses croître. Tu verras les choses prospérer.
tu verras les choses changer d'une façon incroyable. Tes yeux n'auront jamais vu de telles choses, parce que la main de l'Éternel s'étend du haut des cieux et te bénit. Alors réjouis-toi, mon frère, ma soeur, réjouis-toi, réjouis-toi. Ris déjà, car ton avenir est sur le point de changer. Ris déjà, car ton avenir est glorieux. Ris déjà, parce que ton avenir est exceptionnel, parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille. Oui, ris déjà, car ton avenir est entre les mains de ton Dieu et qu'il fait toutes choses pour concourir à ton bien. Ris déjà de tout ce qui va arriver. Bientôt, très bientôt, les choses vont changer pour toi. Ce sera un tout à coup dans ta vie. En un instant, tout sera changé. Tout sera différent dans ta vie. Ton histoire va changer. Oui, crois-le, car c'est une chose qui est sur le point d'arriver et tu en rendras témoignage à une multitude. Ce sera un nouveau point de départ pour ta vie. À partir de ce témoignage, à partir de ce grand miracle, tout sera différent. Tout sera différent. Que Dieu soit glorifié dans chacune de vos vies. Mes frères, mes sœurs, je bénis l'Éternel de ce qu'il est en train de faire dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Je le bénis, je lui dis déjà merci. Merci, parce que je sais que là-haut, il y a des choses qui se préparent. Merci, parce que le ciel qui était de plomb est sur le point d'être brisé et la pluie est sur le point de descendre. Merci, Seigneur, parce que les chaînes vont tomber, les prisons vont s'ouvrir. Merci, Seigneur, parce que les gens, les personnalités les plus dures vont être transformés pour la gloire de ton nom. Et celui qui ne croyait pas sera le premier. Oui, les derniers seront les premiers parce que tu as changé et transformé leur vie. Merci, Seigneur. Merci pour cette incroyable parole que tu viens de nous adresser. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur, moi-même, je la reçois pour ma vie. Et je sais que mes frères et mes sœurs, Seigneur, en communion avec nous, Seigneur, reçoivent aussi cette parole, Seigneur. Fais-la descendre dans leur cœur, Seigneur. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse attester ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Tu as de la foi comme un grain de sénévé. Amen. Si tu as de la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Et c'est ce qui va se passer. Mon frère, ma soeur, c'est ce qui va se passer. Dieu ne veut pas que tu aies d'immense foi pour dire à ton problème, à ta difficulté de s'en aller. Non, une petite foi, même comme un grain de sénévé, est suffisante. Si Dieu trouve en toi cette petite foi, Dieu le fera. Dieu le fera. Et ton problème et ta difficulté sera ôté de devant tes yeux. Amen. Merci Seigneur. Comme un petit grain de moutarde.
là, bouge-la de là, bouge-la de là. Si ton problème est comme une montagne qui t'empêche d'avancer, si ton problème est comme une montagne qui t'empêche d'avancer, si ton problème est comme une montagne qui t'empêche d'avancer, si ton problème est comme une montagne qui t'empêche d'avancer, tu pourras dire à ton problème, arrache-toi, je le dis par la foi. Tu pourras dire à ton problème, arrache-toi, je le dis par la foi. Tu pourras dire à ton problème, arrache-toi, je le dis par la foi. Et ton problème bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et ton problème bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et ton problème bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et ton problème bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si tu as de la foi comme un tigre à moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un tigre à moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un tigre à moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un tigre à moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si ton problème est comme une montagne qui t'empêche d'avancer, si ton problème est comme une montagne qui t'empêche d'avancer, si ton problème est comme une montagne qui t'empêche d'avancer, si ton problème est comme une montagne qui t'empêche d'avancer, si ton problème est comme une montagne.
L'ennemi est fâché. Et ça tombe bien, moi aussi. Amen. Donc on est deux. Et je dis à ma femme, depuis que nous sommes mariés, et surtout depuis que nous sommes convertis, et que nous avons appris le combat spirituel, je nous vois comme les deux pépés. Elle, patience, et moi, persévérance. Et c'est comme ça qu'on s'appelle. Donc on persévère jusqu'au bout. Donc nous allons continuer notre série sur comprendre le cœur du Père. Donc c'est la quatrième. Je crois qu'aujourd'hui je vais clôturer celle-ci. Et la semaine prochaine, nous allons voir un petit peu sur les catégories qui font partie de l'Église. Les quatre différentes parties, même si quand on le lit, on dirait qu'il y en a trois. Mais quand on étudie le grec, on voit qu'il y en a quatre. J'ai oublié Josephine, excusez-moi. Allora, oggi concluderemo questo capitolo. C'erano quattro capitoli. Et on va toujours prendre ce texte introductif de Galates. E prendiamo i Galati. Chapitre 4, verset 1er. Capitolo 4, versetto 1 e 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Io dico, finché l'erede minorenne non differisce nulla dal servo, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutore e amministratore fino al tempo prestabilito dal Padre. Et comme je vous ai toujours dit depuis que cette église existe, et comme vi dico sempre, il est bon d'étudier plusieurs versions. È buono guardare differenti Bibbie. Parce que dans les différentes versions que nous avons, elles ne relatent pas le sens profond que des fois une parole peut être dite. Perché vediamo un senso differente tra le differenti Bibbie. Et j'ai pris celle-ci aujourd'hui, c'est la parole vivante. Ho preso questa oggi, parola vivente. C'est toujours Galates chapitre 4. È sempre Galati versetto 4, capitolo 4. Du verset 1 au verset 2. Del versetto 1 a 2. Mais vous allez voir le sens, c'est ce que je vous dis depuis pas mal de temps. Ma vedrete il senso che vi dico sempre. Et c'est pour ça que pour prendre possession de son héritage que Dieu nous a donné. E per prendere l'eredità che Dio ci ha dato. Il a besoin, nous avons besoin de prendre conscience de certaines vérités spirituelles. Abbiamo bisogno di concepire certe verità spirituali. Et regardez ce qu'il est mis. Guardate ciò che è scritto. Héritier. Erede. Oui, nous le sommes. Noi lo siamo. Cependant, si. Ma se. Dans une famille riche, le père meurt. Se dentro una famiglia ricca il padre muore, aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, finché l'erede è minorenne, il ne se distingue apparemment en rien d'un serviteur. Non si differisce nulla da un servo. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Benché lui sia il responsabile di tutto. Quella ricchezza. Il patrimonio. Il reste soumis à l'autorité de tuteur. Lui resta sottomesso all'autorità. Et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Finché il suo padre lo decide. En d'autres termes, dans cette version-ci. In questa versione sta dicendo. Il dit que quand le père est décédé. Quando il padre muore. Il donne l'héritage à son enfant. Da l'eredità al suo figlio. D'ailleurs, le fils est héritier dès qu'il naît. Il figlio erede fin dall'inizio che nasce. Mais c'est pas parce qu'il naît et qu'il est l'héritier de son père. E non è perché nasce che è l'erede del padre. Il puisse agir comme s'il était le père. Che possa agire come se fosse il padre. Il est l'héritier du père. È l'erede del padre. Mais le père, mais il padre, c'est lui qui décide. È lui che decide. Et après, quand il meurt encore, e quando muore, et que cet enfant qui est encore en bas âge, e che questo fanciullo che è ancora piccolo,
il ne peut pas encore jouer avec cet héritage. Non può ancora godere quella eredità. Jusqu'à quand le père va déterminer avant de mourir? Finché il padre lo stabilisce il tempo. Et il va dire voilà à l'âge de 18 ans, un exemple. Per esempio dirà quando avrà 18 anni. Mon fils aura pleinement l'héritage. Mio figlio avrà l'eredità completa. Amen. Amen. C'est ce que cette version-ci nous dit. E questa versione ci dice. Et c'est ce que c'est la pensée de Dieu. Parce qu'on a vu dans cette parabole du fils prodigue. Vediamo in quella parabola del figlio prodigo. Qu'un fils a voulu anticipativement l'héritage. Che il figlio ha voluto l'eredità prima del tempo. Et il a tout dépensé. E ha sparso tutto. Mais il y en avait un autre qui était là dans la maison. Ma ce n'era un altro che era lì in casa. Et on dirait que lui n'avait aucune faute. È come se fosse che lui non aveva sbagliato niente. Mais son attitude face à l'héritage n'était pas bonne non plus. Ma la sua attitudine di fronte all'eredità non era buona neanche. Et donc, comme nous l'avons dit en résumé, le père était un bon père. Il padre era buono. Les deux fils pouvaient être de bons enfants. I due figli erano pure buoni. Mais ils ne savaient pas comment dépenser, comment utiliser cette eredità. Ma non sapevano come utilizzare quell'eredità. Et Dieu par là veut nous faire comprendre. E Dio ci vuole fare capire. Qu'il nous est important. Che è importante. Pour nous de mûrir. Di diventare grande. Il est important d'aller plus loin. È importante di andare avanti. Il est important de ne pas rester un bébé. È importante di non essere sempre bambini. Les églises d'aujourd'hui sont remplies de bébés. I chiesi di oggi sono pieni di bambini. Et c'est pas de maintenant. E non è di oggi. Ce n'est pas la prédication qui cause problème. Non è la predicazione che fa problema. Mais c'est le problème de chacun d'entre nous. È il problema di ciascuno di noi. Parce que au temps de l'apôtre Paul. Nel tempo dell'apostolo Paolo. Paul le disait. Paolo lo diceva. Vous êtes encore au lait. Siete ancora al latte. Vous qui deviez être des personnes matures. Dovete essere maturi. Il dit, mais vous êtes encore au stade du lait. Siete ancora al latte. Les Corinthes avaient tous les dons, tous les ministères. I Corinzi avevano tutti i doni, tutti i ministeri. Mais ils ne savaient pas utiliser l'héritage qu'ils avaient en main. Ma non sapevano utilizzare l'eredità che avevano in mano. Peut-être ils avaient dépensé. Forse avevano sparso. Non, dépensé. Pensieri. Ils avaient dépensé de l'héritage. Forse avevano pensieri dell'eredità. Mais ils ne savaient pas comment l'utiliser. Ma non sapevano come utilizzarlo. Ils avaient envie de rester. Avevano voglia di stare bambini. Comme aujourd'hui on le voit. Oh, Jésus m'aime. Sono ancora al stadio di oh, Gesù mi ama. Mais Jésus veut plus que ça. Ma Gesù vuole più di quello. Une fois que tu as compris que Jésus t'aime. Quando hai capito che Gesù ti ama. Il y a un processus encore après. C'è un processo, c'è di più. Et aujourd'hui j'allais dire les Italiens, je dirais c'est tous. Aujourd'hui dans l'église, on est au stade oh Jésus m'aime. Tutti siamo ancora a Gesù mi ama. Oh Seigneur. Nous sommes au-dessus de tout. Et on voit une église qui est ballottée à gauche et à droite. Vediamo una chiesa che non è stabile. On voit le diable qui rentre dans l'église. Vediamo il diavolo che entra nelle chiese. Et il s'amuse à mettre des gifles à tout le monde. E da schiaffi a tutti. Et alors t'as le petit chrétien qui dit tu peux pas me toucher, hein? E il cristiano pensa a dire non mi puoi toccare. Non, mais regardez les vies des chrétiens aujourd'hui. Ma guardate le vite dei cristiani di oggi. C'est pas lamentable? C'est pas une critique que je fais. Hein? Non è una critica. C'est une constatation. È una constatazione. Et je suis étonné quand on me contacte et qu'on me dit Salvatore, toi Dieu t'écoute. E resto sbalordito quando mi dicono Dio ti ascolta, cioè. Mais Dieu veut écouter tous ses enfants. Ma Dio vuole ascoltare ognuno dei bambini, dei figli. Parce que je ne suis pas différent. Perché non sono differente. Nous sommes tous un. Siamo uno. En Christ, nous sommes tous un. In Cristo siamo tutti uno.
Il n'y a pas un qui est plus fort et un qui est moins fort. Non è uno più forte e l'altro di meno. Nous sommes tous forts. Siamo tutti forti. Nous avons tous la même onction. Abbiamo tutti la stessa unzione. Nous avons tous le même Saint-Esprit. Abbiamo tutti il stesso Spirito Santo. Et si nous comprenons que nous avons tous le même Saint-Esprit, se capiamo che abbiamo tutti lo stesso Spirito Santo, beh, on se laisse aller, on se laisse utiliser par lui. Ci lasciamo utilizzare da Dio. Parce que ministère veut dire service pour l'autre. Perché il ministerio significa servizio. Se donner pour l'autre. Darsi per l'altro. Que l'autre soit bien. Che l'altro sia bene. Et que moi je sois moins bien. E che io sto meno bene. Mais aujourd'hui, les ministères, c'est quoi aujourd'hui? Ah, il faut qu'on m'appelle pasteur, parce que je suis pasteur. Ma oggi pensiamo a me, mi devono chiamare pastore. C'est pas ça. Non è questo. Certains disent à moi c'est la prédication, moi. Certi dicono, no, io sono fatto per la predicazione. Il y a des millions de chrétiens qui pensent que c'est la prédication. Ci sono milioni di cristiani che pensano che è solo la predicazione. Et ça, c'est juste de l'orgueil. E questo è orgoglio. Ça, c'est de l'orgueil. Et nous allons voir qu'il y a quatre étapes dans le processus de maturation, de maturité. Ci sono quattro étapes per maturire. Et on voit, comme on l'a vu la semaine dernière, j'en avais déjà parlé. Ici, je vais donner les titres et après, on va développer. Le premier, c'est que Dieu nous trouve ou nous retrouve en tant que créature de Dieu. Dio ci trova come creature di Dio. On est né en Adam. Siamo nati in Adamo. Ça, c'est notre première condition. Questa è la prima condizione. Si nous étions nés enfants de Dieu, on n'aurait pas besoin de nouvelle naissance. Se fossimo nati figli di Dio, non abbiamo bisogno di nuova nascita. Mais parce que nous ne sommes pas nés de nouveau, nous avons besoin de naître de nouveau. Abbiamo bisogno di nascere di nuovo. Parce que nous avons tous été formés en Adam. Perché siamo tutti stati formati in Adamo. Et la nouvelle naissance est être naître en Christ. E la nuova nascita è essere nati di nuovo in Cristo. Et donc tout homme et toute femme qui naît ne naît pas dans sa condition finale, mais dans une condition transitoire. Ogni persona che nasce deve passare qualche stadio. C'est des étapes de la vie chrétienne, ça. Sono tappe della vita cristiana. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on nous a fait croire tout et n'importe quoi. On nous a fait croire qu'il suffisait juste de rentrer dans une église, de répondre à un appel, de dire oui au Seigneur, et voilà, t'es né de nouveau. I pastori ci hanno fatto credere che solo bisognava dire sì al Signore e essere nati di nuovo solo così. C'est plus que ça, hein. È più di quello. Mon deuxième point est que chaque créature de Dieu doit devenir enfant de Dieu maintenant. Ogni creatura di Dio deve essere figlio di Dio ora. È il secondo punto. Voilà le but pourquoi nous devons prêcher l'évangile à toute créature. Ecco perché dobbiamo predicare il Vangelo a ogni creatura. En français, on a un problème qu'on n'a pas en italien. En italien, le verset qu'on va finir ici, il le dit à la fin, c'est de prêcher l'évangile à toute créature. In francese diciamo che dobbiamo predicare il Vangelo a ogni creatura. On voit que Louis II nous a traduit à nous en français. Vediamo in francese. Marc chapitre 16 verset 15. Voici ce que Louis II a traduit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création, ça englobe tout ce que Dieu a créé. La creazione significa tutto ciò che Dio ha creato. Mais le terme grec qui est utilisé là. Ma il termo greco. Ne veut pas dire à la création à tout ce qui a été créé. Non significa la creazione che Dio ha creato tutto. Les arbres, les animaux. Gli alberi, gli animali. Non, ça fait référence à des personnes. Fa riferimento a persone. À des personnes qui louent Dieu. A persone che lodano Dio. À des personnes qui ne louent pas Dieu. A persone che non lodano Dio. On doit prêcher la bonne nouvelle à toute la créature. Dobbiamo predicare
l'Evangelo a ogni creatura. Et c'est ce que la Bible Martin nous dit. E quella Bibbia ci dice. C'est la Bible que nous avons en français, la Bible Martin. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. E disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Ce sont des personnes qui sont vivantes. Sono persone che sono viventi. Des personnes qui vivent. Peut-être selon leur mode de vie qu'ils ont eux. Forse. Mais des personnes qui vivent. Sono persone che vivono, forse a modo loro, ma sono persone che vivono. Alors nous en français on préfère la Louis II. Parce que c'est la version, la Bible la plus utilisée, la plus achetée. Certi preferiscono la versione Louis II perché è la più utilizzata. Et le mot qui est là pour créature en grec c'est, excusez-moi la prononciation, c'est tisis. K-T-I-S-I-S. Et qui veut dire la création, les personnes qui ont été créées. Ça parle de personnes. In greco significa le persone che sono state create. C'est la somme ou la masse des choses créées. È la massa delle cose create. Et pour confirmer ce que je vous dis là, parce que j'ai pas envie de vous faire dire ce que moi j'ai envie de dire. Et per confermare questo. Regardez ce qui nous est mis dans Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Giovanni 1:12, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlio di Dio. Donc on ne naît pas tous enfants de Dieu. Non nasciamo tutti figli di Dio. On doit devenir enfant de Dieu. Dobbiamo essere figlio di Dio. Et on devient enfant de Dieu à travers la nouvelle naissance. E se nasciamo di nuovo, siamo figli di Dio. Nous étions des créatures de Dieu. Et là maintenant, en acceptant le Seigneur dans notre vie, en comprenant le plan de rédemption que Dieu a pour chacun d'entre nous. Prima eravamo creature di Dio e quando accettiamo Gesù, nasciamo di nuovo. Et siamo figli di Dio. On devient fils de Dieu à ce moment-là. Pas avant. Elle a donné le pouvoir de devenir. Ça veut dire qu'ils ne le sont pas encore. De devenir. Abbiamo ricevuto oggi, va. Ci ha dato il potere di diventare figlio di Dio e che non l'eravamo prima, lo siamo divenuto dopo. Tu deviens ce que tu n'étais pas. Tu sei ciò che non eri prima. Parce que si tu l'es, tu n'avais pas besoin de devenir, non? Et c'est pour ça qu'il nous a dit, elle a donné le pouvoir de devenir. Il y a un processus, il y a une marche. C'è un processo, abbiamo il diritto di diventare figlio di Dio. Et mon troisième point va en étonner beaucoup. Passiamo al terzo punto. Et ça va en étonner beaucoup. E sbalordirà molto. Ça ne suffit pas d'être fils de Dieu. Ça ne suffit pas d'être fils de non Dieu. Non è sufficiente di essere figlio di Dio. Parce que tu as besoin de prendre ton héritage. Perché tu hai bisogno di prendere la tua eredità. Ça c'est le troisième point qu'on va voir. Questo è il terzo punto. Car on l'a vu, il y avait deux fils. L'abbiamo visto, c'era due figli. Mais tous les deux avaient un problème avec l'héritage. Ma tutte e due avevano un problema con l'eredità. Dans le fils prodigue, les deux enfants avaient un problème avec leur héritage. Un l'a voulu anticipativement. L'uno lo voleva prima. Et l'autre, il avait un héritage. E l'altro l'aveva. Mais il ne savait pas comment l'utiliser. Ma non sapeva come utilizzarlo. Parce qu'il se voyait en train de servir, d'où l'os on l'a vu, esclavage. Perché si vedeva servire il padre. Il était un esclave, lui. Si pensava a un servo. Et ni l'un ni l'autre étaient en train de faire la volonté de Dieu. Né l'uno né l'altro pensavano, non facevano la volontà di Dio. Ils ne réussissaient pas à être satisfaits malgré l'héritage qui était là. Non arrivavano a era soddisfatto. Ils étaient en possession de l'héritage. Avevano l'eredità. Mais ils n'étaient pas heureux. Ma non erano felice. Et combien de chrétiens sont comme ça? E quanti cristiani sono così?
On aime confesser Romains 8, 28. Je ne l'ai pas pris. Ci piace dire Romani 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. N'est-ce pas? Tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. Mais quand les problèmes sont là? Ma quando i problemi sono lì? Tu le dis une fois. Lo dice una volta. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tutto coopera al bene di ciò che amano Dio. Et puis le problème il est toujours là. E il problema è sempre lì. Et le lendemain tu dis tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. E l'indomani lo confessi di nuovo. Et le surlendemain tu le confesses encore. E ancora di nuovo. Et après tu le confesses encore. E ancora. Et après tu te dis. E dopo ti dice. Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Signore, mi ami tu? Moi je dis à cette réponse là, Seigneur, tu m'aimes. Moi je dis Jésus est en train de te poser la même question qu'il a posée à Pierre. E Gesù ti sta chiedendo la stessa domanda che ha detto a Pietro. Toi, m'aimes-tu? Tu mi ami? Moi je suis la vérité, la vie et la résurrection. Io sono la verità, la vita e la resurrezione. Et quand je dis que je t'aime, e quando ti dico ti amo, non ti dico menzogne. Quand Jésus te dit qu'il a donné sa vie parce qu'il t'aime. Quando Gesù ti dice che ha dato la sua vita perché ti ama. C'est pas un mensonge. Non è una menzogna. C'est une vérité. È una verità. Mais la question primordiale est moi, Salvatore, est-ce que je l'aime? La domanda è io amo Dio? Quand on a subi tout ce qu'on a subi, mon épouse et moi. Quando abbiamo subito tutte quelle cose, mia moglie e io. Nous on se disait, mais Seigneur, t'es où? Dicevamo, ma dove sei Dio? Et Seigneur, vous savez qu'est-ce qu'il nous répondait? Là où tu nous m'as laissé. E Dio diceva, dove mi hai lasciato? Dans ta chambre. Nella tua stanza. T'as fait tout ça pour moi. Hai fatto tutto quello per me. Mais ta chambre, tu n'y montais plus. Ma la tua stanza, l'hai dimenticata? Ah oui, les gens, ils avaient des bonnes paroles de ma part. Le persone avevano buone parole da parte mia. Je ne connaissais pas ce mot-là à ce moment-là. C'était que le mot don, c'était dorea. Non sapevo che la parola dono era dorea in greco. Dorea qui veut dire dorea que c'est un don qui t'a été, que t'as reçu en héritage. Che è un dono che hai ricevuto in eredità. Alors que tu montes dans ta chambre ou que tu ne montes pas dans ta chambre. Che tu sali nella tua stanza o no. Si tu dois donner une bonne parole à quelqu'un. Se tu devi dare una parola buona a qualcuno. Dieu va s'utiliser de toi. Dio si utilizzerà di te. Parce que c'est un don d'Orea. Perché è un dono d'Orea. C'est un don comme il est, c'est pour le salut. È per la salvezza. C'est la même chose, c'est le même mot qui est utilisé. È la stessa parola che è utilizzata. Le salut est un don. La salvezza è un dono. Tu es sauvé à partir du moment où tu acceptes le Seigneur dans ta vie. Tu sei salvato dal momento dove accetti Gesù nella tua vita. Mais après tu as un parcours à faire. E dopo hai un percorso da fare. On n'est pas sauvé par les œuvres. Non siamo salvati per le opere. Mais montre-moi ta foi sans les œuvres et je vais te dire que ta foi elle est morte. C'est ce que Jacques nous dit. Hein. E fammi vedere la tua fede senza le opere e ti dirò se la tua fede è vivente o morta. E Jacques nous dit que la foi elle est morte s'il n'y a pas les œuvres. E Giacomo ci dice che la fede è morta senza le opere. Alors il est vrai que tu t'approches dans un premier temps au Seigneur Jésus par la foi. È vero che ti avvicini, ti accosti a Dio prima per fede, mais après, ma dopo, tu as les œuvres qui doivent se manifester dans ta vie. Sono le opere che si devono manifestare nella tua vita. Et beaucoup pensent qu'ils sont sauvés. E molti pensano che sono salvati. En rentrant dans une église. Entrando in una chiesa. Et en restant 30 ans, 40 ans en train d'écouter le pasteur. E solo ascoltando il pastore per 30 anni. Mais Dieu, quand il va venir. Ma quando Gesù verrà. Il va nous demander qu'est-ce que tu as fait avec le salut que je t'ai donné. Ci chiederà cosa hai fatto con la salvezza che ti ho dato. Quel a été ton témoignage? Qual è stata la tua testimonianza? Quel a été ton parfum? Qual è stato il tuo profumo? Qu'est-ce que tu as fait pour montrer que j'étais vivant? Che cosa hai fatto per mostrare che ero vivente? Certains sont colériques et ils disent le Seigneur me changera jamais. Certi sono piena di colera e dicono non cambierò mai. Mais alors le Seigneur, si tu n'as pas envie de changer, mais si tu non hai voglia di cambiare,
C'est pas que Dieu va te faire un plaisir en te prenant, en te sortant de l'enfer et te remettant au paradis. Hein. Dio non ti farà piacere di prenderti nell'inferno e ti metterà nel paradiso. Parce que si tu veux pas laisser Dieu œuvrer dans ton caractère. Perché se non vuoi lasciare Dio lavorare nella tua carattere. T'étais en enfer. Eri in inferno. Et tu resteras en enfer. E tu resterai in inferno. Il y a rien à faire. Parce que Dieu veut transformer nos vies. Perché Dio vuole trasformare le nostre vite. Galates chapitre 5 verset 22, il y a le fruit de l'esprit. Galati versetto capitolo 5, ci sono i frutti dello spirito. Et ça c'est ce que nous allons devenir. È quello che dobbiamo essere. C'est le fruit de l'Esprit Saint. È il frutto dello Spirito Santo. Et quand l'Esprit Saint domine ta vie. E quando lo Spirito Santo prende possessione della tua vita. Et tu vas devenir comme lui. Tu diventerai come lui. Parce que le fruit de l'Esprit Saint. Perché i frutti dello Spirito Santo. Ça appartient à l'Esprit Saint. Appartiene allo Spirito Santo. C'est ce qui était en Jésus. È quello che era in Gesù. C'est ce qui était en l'apôtre Paul. È quello che era nell'apostolo Paolo. C'était dans tout ce qui était témoignage. Era nel tutto quello che era testimonianza. De ces hommes de Dieu. Di questi uomini di Dio. Qui ont été changés, transformés par la puissance de la grâce. Che sono stati trasformati e cambiati per la potenza della grazia. Et notre quatrième point. Il nostro quarto punto. C'est la restauration de l'idée du Père. È la restaurazione l'idea del Padre. Qui nous a créés. Che ci ha creati. Sans aucune limite. Senza alcuni limiti. Pour régner déjà ici-bas. Per regnare qui in terra. Amen. 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 Tu es appelé à gouverner. Tu sei chiamato a governare. Ton appel, mon appel, il tuo appello, c'est que nous sommes appelés à gouverner. Siamo chiamati a governare. L'Apocalypse nous le dit. L'Apocalisse ce lo dice. Nous allons juger les nations. Giudicheremo i nazioni. Et nous sommes en formation. E noi siamo in formazione. Les présidents, les ministres de ce monde. I presidenti, i ministri di questo mondo. Ont été à l'école pour apprendre le boulot de président ou de ministre. Hanno fatto scuola per fare quello lavoro di ministri. Et l'Église est une école pour toi apprendre à gouverner quand Jésus va revenir et qu'on va être là-haut. E la chiesa è una scuola per capire come governare dopo quando saremo lì sopra nel cielo. Et certains sont en train de me dire ça va tort, mais tu es orgueilleux. E certi mi dicono sei orgoglioso. Non, je suis pas orgueilleux. Non lo sono. Moi, je prends ce que la Bible elle dit et je sais que je suis qui je suis par la grâce de Dieu. E sono quel che la Bibbia dice che io sono. Si la Bibbia mi dice che sono figlio di Dio. Se la Bibbia mi dice che sono figlio di Dio. Je peux pas dire que je suis un petit fils de Dieu. Non posso dire che sono un figlioletto di Dio. Voilà. Non, si la Bibbia mi dice che sono un fils de Dieu, je suis un fils de Dieu, point. Se la Bibbia mi dice che sono figlio di Dio, punto. Gare a celui qui ajoute. Guai a quello che aggiunge. E gare à celui qui retire. E guai a quello che toglie. Toi et moi, nous sommes fils et filles de Dieu. Tu e io siamo figlio e figli di Dio. Appelés à gouverner. Chiamati da governare. Je ne crois pas qu'on va être juste là-haut quand le Seigneur va venir nous chercher, juste en train de faire de la louange. Non ci credo che saremo lì nel cielo solo per lodare Dio. Je ne crois pas non à ça. Non ci credo. Je ne crois pas. Parce que lorsque Dieu a créé Adam. Quando Dio ha creato Adamo. Quel est le premier commandement qu'il lui a donné? Qual era il primo comando che ci ha dato? Genèse chapitre 1 verset 26. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il qu'est-ce qu'il est mis? Qu'il domine. Genèse 1 26. Il primo ordine di Dio è che ha detto di dominare. Dominare i pesci e tutto quello che c'era sopra la terra. Aujourd'hui, on voit une église qui est en train de dominer. T'as le pasteur qui domine sur les fidèles de Dieu. Oggi vediamo che i pastori stanno dominando i fedeli di Dio. Fedeli di Dio. Mais Dieu nous a pas demandé ça. Ma Dio non ci ha chiesto quello. Le commandement que Dieu a donné à Adam est qu'il domine sur les poissons. Ha detto a Adamo di dominare i pesci. Les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Sopra gli uccelli. Sur le bétail.
Sopra i bestiami. Sur toute la terre. Sopra tutta la terra. Et sur tous les reptiles qui rôdent sur la terre. E sopra tutti i rettili che sono sopra la terra. Où vous voyez là-dedans qu'un homme doit gouverner, doit dominer un autre homme? Dove vedete che un uomo deve governare un altro uomo? Jamais on voit ça. Mai. Et quand un homme de Dieu entre guillemets. E quando un uomo di Dio tra virgolette. Domine une brebis du Seigneur. Sta dominando una pecorella di Dio. C'est pas ça. Non è questo. C'est pas ça la volonté de Dieu. Non è questa la volontà di Dio. Un homme de Dieu comme le Père céleste, comme il était mis là dans cette parabole. Un uomo di Dio, come vediamo nella questa parabola. Même si ses enfants se trompent. Anche se i suoi bambini figli si sbagliano. Mais il est là pour les réunir. È lì per fare pace. Il est là pour mettre l'unité. È lì per mettere l'unità. On voyait qu'il y avait le deuxième fils, il disait ton fils. Vediamo il secondo figlio che diceva dal suo fratello tuo figlio. Et le père disait mais c'est ton frère. E il padre diceva ma è il tuo fratello. Tous les deux vous êtes mes enfants. Tutti e due siete miei figli. Toi tu n'as qu'un seul frère, c'est lui. Tu hai un solo fratello, è lui. Et lui n'a qu'un seul frère, c'est toi. E lui ha solo un fratello e sei tu. Ah non non, c'est pas d'accord. Non, il a fait les choses différemment l'autre. Hein. Hanno fatto cose differentemente. Regardez ce que Jésus disait quand je disais qu'on ne peut pas dominer les autres. Marc chapitre 10 verset 42. Marco verso 10 42. Jésus les appela et leur dit: vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Je répète, il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Ma Gesù, chiamateli a sé, disse loro: voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano e che i loro grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi, anzi. Chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti. Gesù è in train di dire: le mondo agisce come ça. Gesù sta dicendo: il mondo agisce così. Mais parmi vous, entre frères et sœurs, ma tra voi, fra sorelle e fratelli, ça ne doit pas être comme ça. Non deve essere così. E c'est ça que l'apôtre Paul dit: soyez soumis les uns aux autres. E per questo l'apostolo Paolo dice: siate sottomessi gli uni agli altri. Cette soumission n'est pas une domination. Questa sottomissione non è una dominazione. Comme certains ont prêché que la femme doit être soumise à l'homme. Certi predicano che la moglie deve essere sottomessa al marito. Comme une oppression. Come un'oppressione. Mais c'est pas ça. Ma non è questo. Ce n'est pas comme ça que Dieu pensait. Non è così che Dio pensa. Et donc nous allons développer ces points assez rapidement. Ora sviluppiamo questi punti. Donc le premier point, c'est que Adam, avant sa chute, avait toutes les facultés pour accomplir la mission de Dieu. Adam aveva tutte le facoltà per fare ciò che Dio aveva stabilito per lui. Ça c'est le premier point que Questo Dieu voulait. Questo è il primo punto. Et quand il est tombé? Quando è caduto? Ben, c'était foutu. Il pouvait plus accomplir tout ça. Non poteva più fare ciò che Dio aveva Parce qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Perché ha mangiato il frutto della conoscenza del bene e del male. Et en mangeant ce fruit de la connaissance du bien et du mal. E mangiando quello frutto. Dieu savait que l'homme allait tout le temps être attiré vers le mal. Dio sapeva che l'uomo sarebbe sempre attratto per dal male. Alors que Dieu l'a créé pur. Dio l'ha creato puro. Et il est tombé. È caduto. Alors quand j'entends certains ministres de Dieu entre guillemets, quando certi ministri mi dicono que nous maintenant nous ne pouvons plus tomber, non possiamo più cadere o peccare, mon œil, non ci credo. Parce que si Adam qui était saint est tombé, perché Adamo che era santo è caduto, faisons attention de ne pas tomber. Siamo attenti di non cadere. L'apôtre Paul l'a dit. Que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. L'apostolo Paolo ha detto:
che colui che si sente dritto faccia attenzione di non cascare. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit. Et aujourd'hui, on a tous des petits orgueilleux aujourd'hui. Hein? Oggi abbiamo tanti orgogliosi. Oh non, moi je ne tomberai jamais. Io non cadrò mai. Hein? Je peux vous en faire une liste. Donc si un homme n'est pas né de nouveau. Se un uomo non è nato di nuovo. Donc toujours à l'état de homme animal, comme l'appelle l'apôtre Paul. Al stadio uomo animale. Il est étranger au plan de Dieu. È straniero al piano di Dio. Et au ministère de Dieu. E al ministerio di Dio. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs entre guillemets. Ci sono molto pastori tra virgolette. Qui sont même pas convertis. Che non sono convertiti. Et qui se disent pasteurs. E che si dicono pastori. Qui sont en train de conduire le peuple de Dieu droit dans le mur. Guidando il popolo di Dio dritto nel muro. Ils n'ont même pas une crainte de l'Éternel. Non hanno timore di Dio. Et si tu n'es pas fils de Dieu, e se non sei figlio di Dio, tu ne peux pas coopérer et travailler pour les choses de Dieu. Non puoi lavorare per le cose di Dio. Mon deuxième point était que Dieu veut te faire passer du statut de créature de Dieu à fils de Dieu. Il secondo punto è che Dio ti vuole fare passare dal stadio di creatura di Dio a figlio di Dio. Et on le voit dans Jean chapitre 1 verset 12. On l'a lu déjà tantôt. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Giovanni 1, 12 e 13. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlio di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Dieu a envoyé son fils pour nous faire fils. Dio ci ha mandato il suo figlio per noi essere figli. Dieu a envoyé son fils pour nous changer de créature en fils. Dio ci ha mandato il suo figlio per cambiarci da creature a figlio. Et il est mis ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme. È scritto né da volontà di carne né da volontà d'uomo. Tu n'es pas là, mon frère, ma sœur, parce que ton père et ta mère ont eu une relation un jour. Non sei lì perché il tuo padre o una madre hanno avuto una relazione un giorno. Ce jour-là, Dieu avait établi que tu allais commencer à vivre. Quello giorno Dio aveva stabilito che tu dovevi cominciare a vivere. C'est même pas ce jour-là que Dieu a commencé à t'aimer. Non è il giorno lì che Dio ha cominciato ad amarti. Avant même que tu ne sortes, que tu sois expulsé de ton père. Prima della concezione. Già Dieu t'aimait. Dio già ti amava. C'est pas parce que ton père et ta mère avaient pris la décision d'avoir un enfant. Non è perché il tuo padre o la tua madre avevano preso la decisione di avere un bambino. Que seulement là Dieu t'a aimé. Che solo lì Dio ti amava. Avant que tu ne sois, Dieu t'aimait déjà. Prima di tutto ciò Dio ti amava già. Avant que tu commences à te mouvoir dans le ventre de ta mère. Prima che cominciassi a muoverti nel ventre della tua madre. Alors que tes parents ne savaient pas quel nom ils allaient te donner. I tuoi genitori neanche non sapevano quale nome ti darebbero. Lui avait déjà choisi ton nom et ton prénom. Lui già sapeva. Lui il savait qu'il allait t'aimer. Lui sapeva che già doveva amarti. Et que lui allait te mener comme Karine tantôt l'a dit dans des plans glorieux. E lui sapeva che aveva già piani gloriosi. Des plans glorieux pour ta vie, mon frère, ma sœur. Piani gloriosi per la tua vita. On n'est pas dans un film fantastique. Non siamo dentro un film. C'est la vérité. È la verità. C'est vrai que nous sommes tous nés de la famille de la chair. È vero che siamo tutti nati dal sangue. Et donc tous nous avions ou nous avons un rôle à jouer dans la famille. E tutti abbiamo un ruolo da fare nella famiglia. Et donc quand tu es dans la famille. E quando sei nella famiglia. Tu participes aux tâches, n'est-ce pas? Tu fai pure le servizio. Chez nous avons l'habitude que soit ma femme soit moi nous cuisinons.
da noi abbiamo l'abitudine che io o la mia moglie facciamo mangiare. Et à tour de rôle, il y en a un qui débarrasse. E c'è sempre uno che fa pulire la tavola. Il y en a un qui va pré-nettoyer, dire les assiettes. Uno che fa le pulire i piatti. I piatti. Et l'autre va le mettre dans le lave-vaisselle. E l'altro nella lavastoviglie. Chez nous, c'est un rituel. È un rituale da noi. Chacun sait ce qu'il a à faire. Ognuno sa ciò che deve fare. Vous imaginez si j'arrive et je dis à ma femme, ah voilà, j'ai acheté la toute dernière Ferrari. Se dico alla mia moglie, ho comprato l'ultima Ferrari. Vous croyez qu'on va s'aimer? Credete che... Vous croyez qu'il va avoir la paix? C'era la pace. La même chose la femme vis-à-vis de son mari. Et vice versa. Et la même chose pour les enfants. Et pure per i bambini. Et donc dans le christianisme de Dieu. Nel cristianesimo di Dio. Si tu travailles comme un esclave. Se tu lavori come un schiavo. Comme on l'a vu dans, du verbe grec doulos. Come nel verbo greco doulos. Ben tu es en dehors de la volonté de Dieu aussi. Tu sei fuori della volontà di Dio. Et donc comme nous l'avons vu. Come l'abbiamo visto. Il y a déjà quelques semaines, c'est marcher par l'esprit de Dieu. Dobbiamo camminare per lo spirito di Dio. Parce que Romains chapitre 8 verset 14 nous dit bien. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, le moins important là-dedans, c'est conduit, l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Romani 8, 14 ci dice, infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Et certains me diront, et ceux qui ne marchent pas par l'Esprit de Dieu, ils ne sont pas enfants de Dieu? E quelli che non camminano per lo Spirito Santo non sono figli di Dio? Je vais répondre non. Dico no. Car l'enfant de Dieu ici est un enfant mature. Perché il figlio di Dio qua è un figlio maturo. Là, le mot enfant qui est utilisé là, c'est pour des enfants qui déjà comprennent. Il termo lì figlio è per bambini che capiscono. Ce sont des enfants qui sont entre l'adolescence et la maturité. Sono figli che sono tra l'adolescenza e la maturità. Si vous êtes conduits. Se siete condotti. C'est comme si le Saint-Esprit me dirait, Salvatore, prends à droite. È come se lo Spirito Santo ti dice, prende a destra. Là, je suis conduit. Lì sono condotto. Mais un enfant, lâche-lui la main. Ma un bambino. Un nouveau-né. A un fanciullo, un nuovo-nato, se non lo tieni, cade. Il tombe, parce qu'il ne sait pas marcher. Perché non sa camminare. Tu vas prendre un enfant qui a encore, allez, je ne vais pas dire récemment, je veux dire, c'était avant-hier, je veux dire, il y avait le petit Leandro qui était là. Il est venu à la maison. Leandro est venu à casa. Son père traverse la rue. Il padre vuole andare oltre l'altra strada. Ben, le petit enfant, il est parti. Et il bambino ha camminato solo. Tout seul. Solo. Ça, c'est pas être conduit par l'esprit. Questo non è condotto dallo spirito. Je parle d'une manière spirituelle ici. Parlo spiritualmente, fare a testa sua. Mais l'enfant qui est enfant de Dieu déjà avec ses sens. Ma il figlio di Dio con tutti i sensi. Il sait qu'il doit donner la main à son père. Sa che deve dare la mano al padre. Parce qu'il fait confiance à son père. Perché fa fiducia al padre. Et il sait que son père va l'amener d'un point A à un point B. E sa che il padre lo condurrà da un punto A a un punto B. Mais aujourd'hui les petits enfants foufou. Ma i piccoli bambini. Ceux qui se lèvent du matin comme ça, je suis pasteur. Che pensano essere pastori da un mattino all'altro. Je suis évangéliste. O sono evangelista. Mais quel est ton père qui t'a nommé pasteur, qui t'a nommé évangéliste? Ma qual è il tuo padre che ti ha chiamato evangelista? Certains disent ah non, moi je n'ai que pour père Dieu. Certi dicono ho solo Dio come padre. Mais t'as un père spirituel, non? Ma hai un padre spirituale. Le père spirituel est une garantie pour chacun d'entre nous. Il padre spirituale è una garanzia per ognuno di noi. Vous avez la garantie que je suis un pasteur grâce à mon pasteur, à moi, à mon apôtre, l'apôtre Amici. Attraverso l'apostolo Amici, avete la garanzia che sono pastore. Parce que c'est lui qui m'a nommé, c'est pas moi qui me suis levé du jour au lendemain. Perché lui mi ha consacrato. Comme lui-même a été consacré par son père spirituel. Come lui è stato consacrato pure par il dal suo padre spirituale. Et son père spirituel est pour moi comme un grand-père spirituel. E il suo padre spirituale è come un nonno per me. Parce que le père de ton père, tu l'appelles comment?
perché il padre del tuo padre come lo chiami? Grand-père. Non. On est tous une même famille. Siamo tutti una famiglia. Et au bout de tous ces ministères qui ont été consacrés par Dieu, on a Jésus. Abbiamo Gesù che è il padre le chef de l'Église. Il capo della chiesa. Je bâtirai mon Église. Io bâtirò la mia chiesa. Jésus a dit. Lui, pas nous. Lui. Il y a eu un témoignage une fois qu'il y a une femme qui est rentrée chez elle sans avoir discuté son mari avec son épouse. Ci abbiamo una testimonianza che un marito senza aver parlato con la sua moglie. La femme rentre de son boulot. La moglie torna del lavoro. Et sur la façade de sa maison. E sopra la casa era. Il y avait une pancarte mise Église évangélique. Era scritto chiesa evangelica. Et la femme a dit. Et la moglie dice. Elle a resté la bouche ouverte. Qui l'a consacré? Chi l'ha consacrato? Sans avoir discuté? Senza aver parlato insieme. Ça arrive. C'est arrivé ici en Belgique. È arrivato qui in Belgio. On connaît la personne. Conosciamo la persona. Mais maintenant, allez voir. Plus rien. E se vedete oggi non c'è più nulla. Le mot qui est utilisé, comme on disait tantôt, pour enfant mature est weos. Weos est detto per figli maturi. C'est un enfant qui n'est pas à peine né. Non è un figlio che è appena nato. Mais un enfant qui sait déjà se conduire comme un adulte. Ma un bambino che sa già fare cose di adulti. J'ai mes enfants ici, Massimo et Gianni qui est là. Ho i miei due figli qua. 24 et 21 ans. 24 et 21 anni. Ben, ils sont pas mariés. Non sono sposati. Mais ils savent déjà se comporter en tant qu'enfants matures. Ma sanno già fare come adulti. Le mariage va prouver que maintenant ils sont après matures. Il matrimonio proverà che sono maturi. Parce que le but, nous le savions avec ma femme quand on a eu les enfants. Perché il scopo lo sappiamo già con la mia moglie. C'est que nous allions avoir de petits enfants. Che dopo abbiamo figli, dopo. Ben ils deviendront grands. Diventeranno grandi. Que tout ou tard ils quitteront la maison. Che più tardi andranno via da casa. Pour se marier avec son épouse. E dopo si sposeranno. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si attaccherà a sua moglie. C'est le but de tout le monde. È il scopo di tutti. On ne fait pas un enfant pour qu'il reste à la maison et qu'il reste un bébé dans son licage. Non facciamo un figlio perché per restare bambino sempre a casa. Nous faisons des enfants pour qu'ils grandissent. Facciamo bambini e dopo crescono. Et Dieu quand il nous fait enfants de Dieu. E Dio quando ci fa figli di Dio. C'est pour nous voir grandir. È per vederci crescere. Alors quand ils entendent les autres. Ceux qui n'ont pas un ministère pastoral, qui ont un ministère pastoral d'homme. Et quando stanno udendo gli altri. Non, stanno udendo me. Stanno udendo lui. Que je dis que chaque chrétien a un ministère. Quando dico che ognuno, che ogni cristiano ha un ministerio. On me jette des pierres. Non mi credono. Mais pourquoi? Pourquoi certains oui et certains non? Perché certi sì e certi no? Tous nous avons quelque chose. Abbiamo tutti qualcosa. Et certains me disent, oh, mais la Bible a dit qu'il a donné certains comme. Certains comme, donc dans Ephésiens chapitre 4, verset 11. Nei Efesini dice il versetto certi, così, certi, così. Il dit, mais tu vois, c'est pas tout le monde. Non è tutti. Et moi je dis, non, je dis, il y a cinq catégories. Ci sono cinque categorie. Et dans ces cinq catégories, tout le monde s'y retrouve. Ci sono tutti fra quelle cinque categorie. Dans une église, tout le monde a son ministère qui est là. Nella chiesa ognuno ha il suo ministerio. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Apostolo, pastore, evangelista, dottore, profeta. C'est les ministères qui sont donnés à l'église. Sono i ministeri che sono dati alla chiesa. C'est comme ça que Dieu a établi dans le plan originel l'église. È così che Dio ha stabilito il piano. Ça, c'est l'église où Dieu bâtit son église. Questo è così che Dio battisce la sua chiesa.
Il prend la pierre Annie. Prende della pietra Annie. Et elle le met sur la fondation qui est Christ. E mette sopra la fondazione che è Cristo. Il prend la pierre Karine. Prende la pietra Karine. Et il la met à côté. E la mette accanto. De Annie. Di Annie. Mais sur le fondement de Christ. Sopra il fondamento di Cristo. Il prend Joséphine. Prende Giuseppina. Il met à côté. Le mette accanto. Et elle est attachée à Annie et Karine. Attaccato et Christ. A Annie, a Karine, sopra Christ. Elle prend la pierre Michel et la met à côté. Prende la pietra Michele, pure accanto. Vous avez compris? Avete capito? Et chacun met son nom là. E ciascuno mette il suo nome lì. La fondation c'est Christ. La fondazione è Cristo. Mais nous sommes tous attachés les uns aux siamo autres. Tutti attaccati gli uni agli altri. Parce que si tu mets qu'une seule brique là. Se tu metti una sola pietra. Et tu passes avec ton pied et tu chottes dedans. E tu metti il tuo piede. La fondation, elle va pas bouger. La fondazione non si muoverà. Mais la pierre, elle va bouger. Ma la pietra si muoverà. Mais quand il y a quelqu'un comme l'église que nous sommes nous. Ma la chiesa che siamo. Si moi en tant que pasteur. Se io come pastore. Je vois quelqu'un d'étranger. Vedo un straniero. Venir y attaquer une de vos pierres à vous, che une sta, de pierres que vous êtes vous. Che sta attaccando una pietra che siete. Je me mets devant. Mi metto davanti. Et je dis tu touches pas. E dico non la tocchi. Parce que dans l'église de bon samaritain. Perché nella chiesa il buon samaritano. Nous sommes en train de construire le ministère de chacun. Stiamo facendo il ministero di ciascuno. Et l'apôtre a besoin du prophète. L'apostolo ha bisogno del profeta. L'apôtre a besoin de l'évangéliste. L'apostolo ha bisogno dell'evangelista. L'apôtre a besoin du pasteur. Ha bisogno del pastore. L'apôtre a besoin du docteur. E ha bisogno del dottore. Et tous nous avons besoin des uns des autres. E viceversa, abbiamo bisogno l'uni degli altri. Et ça c'est l'église de Dieu. Questa è la chiesa di Dio. Ça c'est la vision de Dieu. Questa è la visione di Dio. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Che vediamo oggi? Un seul homme qui fait tout. Un uomo che fa tutto. Et moi je dis ça c'est pas la volonté de Dieu. E io dico che quello non è la volontà di Dio. Alors on a changé. Allora abbiamo cambiato. Non, on va nommer des vice-pasteurs. Ora facciamo vice-pastori. Après on va mettre, voilà, nous on a comme la Bible le dit, on a les anciens, les diacres. Dopo gli anziani e i diaconi. Oui, les anciens, les diacres, ils sont dans la Bible. Sì, sono nella Bibbia. Mais comme je le dis, c'est un processus. Ma è un processo. Quand on a parlé de l'Église avec les cinq ministères. Quando abbiamo parlato della chiesa con i cinque ministeri. Nous avons vu qu'un enfant devient enfant de Dieu. Un figlio diventa figlio di Dio. Qui est, comme je dis, il a été évangélisé par l'évangéliste. È stato evangelizzato dall'evangelista. L'évangéliste prie avec lui. Prega con lui. Lui montre un petit peu le plan du salut. Fa capire il piano della salvezza. Puis il le prend et le met dans les mains du pasteur. Dopo lo dà al pastore. L'évangéliste prend ce chrétien et le met dans les mains du pasteur. L'evangelista prende quello cristiano e lo dà al pastore. Ce pasteur prend soin de cette brebis qui est arrivée là au Seigneur. Pastore prende cura di quella pecorella che sta arrivando. Fait du counseling ou une relation d'aide. Fa una relazione. Un counseling, discute con lui. Et il regarde où il y a des blessures. E guarda dove ci sono ferite. Le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il soigne ces blessures. Il pastore prende cura di quelle ferite. Si cet enfant a été abandonné par ses parents. Se è stato abbandonato dai parenti. Ce pasteur va prendre soin de cet enfant-là. Prenderà cura di quel bambino. En lui disant qu'avant la fondation du monde, mais Dieu l'aimait déjà et que Dieu l'a voulu. Dicendo che Dio l'amava già prima la fondazione del mondo. Il lui prendra le passage biblique qui dira que même si ton père et ta mère t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas. Prenderà versi che dicono anche se il tuo padre o la tua madre ti abbandonassi, io non ti lascerò mai. Et cet enfant qui a été abandonné de par ses parents biologiques. E questo bambino che è stato abbandonato dai suoi genitori biologici. Il va ressentir un baume au cœur. Si sentirà meglio, ristorato. Il va commencer à comprendre son identité. Comincerà a capire la sua identità. Il va comprendre que même si ses parents ont eu juste cette relation sexuelle là. Capirà che anche se i genitori l'hanno solo concepito. Il y avait quelqu'un, Dieu, qui avait déjà un plan pour cet enfant là. C'era già Dio che aveva un piano per quello bambino. Et que quoi qu'il aurait subi dans son passé. E che anche se ha avuto il passato che ha avuto. Ben Dieu allait lui construire maintenant un nouveau présent. Che Dio ci costruirà un nuovo presente. Avec un meilleur futur. Con un futuro migliore.
C'est ça l'Église. E questo la Chiesa. Et puis le pasteur, qu'est-ce qu'il va faire? Et dopo il pastore che fa? Il appelle le prophète. Prende il profeta. Il donne ce bébé spirituel dans les mains du prophète. Questo bambino spirituale al profeta. Le prophète va prier pour lui. Il profeta pregherà per lui. Quand il va ressentir ce que Dieu a comme plan dans la vie de ce garçon-là. Quando riceverà quello che è il piano di Dio per lui. Il va lui dire, voilà, je ressens que c'est ça. Ci dirà quello che riceve. Mais avant tout, ce véritable prophète va lui demander, prie le Seigneur pour voir dans quel ministère Dieu va t'orienter. Ma questo vero profeta dirà, prega per sapere ciò che Dio ti dice nel quello ministerio che tu devi fare. Et quand le prophète, le véritable prophète, et quando il veritable profeta, aura compris que Dieu a révélé à cet enfant-là quel est son ministère, avrà capito che ciò che Dio avrà rivelato al bambino, ce prophète va lui confirmer la prophétie qu'il a reçue. Quello profeta confirmerà quella parola che quello ha ricevuto. Ce prophète, après lui avoir dit ce qui va se passer, quello profeta, dopo aver detto ciò che succederà, le mettra dans les mains du docteur qui va l'enseigner. Lo metterà nelle mani dell'insegnante che l'insegnerà. Et en l'enseignant, il va commencer à grandir. Et ricevendo l'insegnamento, crescerà. Et puis, il ira dans les mains de l'apôtre. Et dopo andrà nelle mani dell'apostolo. Qui l'apôtre, qui lui a cette fondation, a dans sa tête la fondation de construire des églises. Che nelle mani dell'apostolo che ha la visione di costruire le chiese. Ben, il dira, voilà, va dans cette église-là maintenant. Ci dirà, vai in quella chiesa ora. Il va le mettre un exemple avec l'évangéliste et le prophète. Lo metterà con l'evangelista e col profeta. Et on va dire, voilà, maintenant on va créer une église et là-bas. Ci dirà, ora creiamo una chiesa. Et l'église va prospérer. E la chiesa prospererà. Et c'est la vision que toutes les églises malheureusement ont perdue aujourd'hui. E quella visione che tutte le chiese hanno perduto ora. On a grandi les murs. Facciamo crescere i muri. Et les chrétiens qui sont dans l'église, ils rapetissent. E i cristiani diventano meno maturi di prima. Des nains spirituels. Nani spirituali. Ça devient des nains spirituels. Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Romani 8, 15. E voi non avete ricevuto un spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre. Et ce mot servitude. Et quella parola servitudine. C'est doulos. È doulos in greco. Le même qui a été utilisé pour l'enfant qui était dans le champ. Lo stesso che è stato utilizzato per il bambino nel campo. Quand il y avait ses deux fils. Quando c'erano quei due bambini. Et on voit à travers la parabole du fils prodigue. E vediamo attraverso la parabola del figlio prodigo. Que ces deux enfants étaient dans la bonne maison. Che questi due bambini erano nella buona casa. Ces deux enfants étaient en compagnie d'un bon père. Erano in compagnia di un buon padre. Mais un vivait dans la servitude. Ma uno viveva nella servitù. Dans la servitude de servir son père. Nella servitù per il padre. Et l'autre était dans la servitude du péché. E l'altro era nella servitù del peccato. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Che volete fare con questo? C'est pas ça que Dieu nous appelle à faire. Non è questo che Dio ci chiama a fare. Dieu nous appelle à nous sentir vraiment et réellement fils. Dio ci chiede di sentirsi figli di Dio. Fils et filles de Dieu. Figli di Dio. À savoir qu'il y a un héritage qui nous est là. Sapendo che c'è un'eredità. Et cet héritage nous devons bien l'utiliser. E questa eredità dobbiamo l'utilizzare bene. Et il dit, nous avons reçu un esprit d'adoption, nous dit l'Évangile. Abbiamo ricevuto un spirito di adozione. Lequel crie Abba Père. Mediante il quale grida Abba Padre. Non plus esclaves. Non più schiavi. Non plus serviteurs. Non più servi. Mais fils. Ma figli. Donc plus nous grandirons. Più cresceremo. Et plus nous serons conduits par l'Esprit. E più saremo condotti dallo Spirito.
Et l'esprit connaît le plan de Dieu pour ta vie. E il spirito conosce i piani di Dio per la tua vita. Parce que l'Esprit Saint c'est Dieu. Perché il Spirito Santo è Dio. Et plus tu vas grandir. E più crescerai. Plus tu auras une intimité avec Dieu. E più avrai un'intimità con Dio. Plus le Saint-Esprit sait qu'il doit te conduire vers le ministère qu'il t'a donné. Più il Spirito Santo sa che dovrà condurti nei piani di Dio per te. Donc on l'a vu les trois premiers points ici. Abbiamo visto i primi tre punti. Le premier, donc, on est créature de Dieu. Primo, che siamo creature di Dio. Deuxième point, que de créature de Dieu, il nous a appelé à devenir enfants de Dieu. Secondo, che da creature diventiamo figli di Dio. Et le troisième point est que nous devions devenir héritiers. E il terzo è che dobbiamo diventare erede. Et là, on le voit dans Romains chapitre 8, verset 17. E nei Romani 8, verso 15. 17. 17. Or, si nous sommes enfants, se siamo figli, nous sommes aussi héritiers. Siamo anche eredi. Héritiers de Dieu. Eredi di Dio. Et co-héritiers de Christ. E co-eredi di Cristo. Et là, on aurait tous dit, apôtre Paul, mets un point. E tutti diciamo, mettici un punto. Et le Seigneur, il a mis une virgule. E il Signore ha messo una virgola. Parce qu'il a dit, si toutefois, se veramente, nous souffrons. Soffriamo. Allora on dice, oh no. E diciamo oh no. Eh oui. E dico sì. Quand tu es fils et fille. Quando sei figlio o figlia. Ton héritage tu vas l'avoir en souffrant. La tua eredità la ricevi sofferendo. Et plus tu vas être attaqué. E più sarai attaccato. Plus ça veut dire que tu as un grand héritage pour toi. E più significa che la tua eredità è grande. Tu n'as pas des attaques ou des souffrances. Non hai attacchi o sofferenze. Parce que Dieu ne t'aime pas. Perché Dio non ti ama. Mais tu as des attaques et des souffrances parce que Dieu t'aime et veut te donner son héritage. Ma hai attacchi e sofferenze perché Dio ti ama e ti vuole dare la tua eredità. Et on nous a appris que quand on vient au Seigneur, tout est rose et violette. E ci fanno credere che quando riceviamo Gesù tutto va bene. Si nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Soffriamo con lui per essere anche glorificati con lui. Luc 12, 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne crains point, petit troupeau. Regardez la promesse que Dieu nous a faite. Jésus nous a faite. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luca 12, 31, cercate piuttosto il suo regno e queste cose vi saranno date in più. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Allora il diavolo sa. Allora il diavolo sa che se tu abbandoni, che se tu abbandoni le plan de Dieu pour ta vie, il piano di Dio per la tua vita è abbandonato per la tua vita. È abbandonato per la tua vita. Ma se tu resisti, ma se tu resisti, se tu perseveri, se tu perseveri. Mais tu as le royaume de Dieu qui t'appartient. Hai il regno di Dio che ti appartiene. Il est à toi. È a te. C'est ton héritage. È la tua eredità. C'est mon héritage. È la mia eredità. C'est notre héritage. È la nostra eredità. Le quatrième point. Il quarto punto. Si tu réalises l'héritage. Se tu realizzi l'eredità. Ou le fait que tu es héritier à présent. O il fatto che tu sei un erede. Eh bien maintenant il te reste plus qu'une seule chose à faire. Ora ti rimane una sola cosa a fare. Être qualifié pour régner. Essere qualificato per regnare. Et pour être qualifié pour régner. E per essere qualificato. Il faut endurcir les attaques. Tu devi. Résister agli attacchi. Quand les attaques viennent, tu dois. Tu dois prier, tu dois ne pas laisser tomber. Tu non devi mollare. Tu dois être là à attendre. Devi essere lì ad aspettare. Et non pas à fuir. E non fuggire. L'ennemi vient contre toi. Il nemico viene da te. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. E la Bibbia ci dice che lo Spirito Santo lo metterà in fuga. Et Éphésiens, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 6. Éphésiens 2 versetto 6. Il est mis, il nous a ressuscités. Et ci ha risuscitati. Le verbe c'est, il nous aura ressuscités. Il nous a, c'est déjà fait. Non è futuro, è già fatto.
La résurrection pour nous en tant que chrétiens, en tant que véritables disciples de Jésus. La résurrection est pour nous qui sommes fils de Dieu. À partir du moment où on a commencé à comprendre qu'on avait un héritage. Quando abbiamo capito che abbiamo un'eredità. T'es déjà ressuscité. E sei già risorto. La mort n'est pas encore arrivée. La morte non è ancora arrivata. Mais Dieu te dit t'es déjà ressuscité. Ma Dio ti dice già che sei risorto. Et il nous a fait asseoir ensemble. E ci ha fatto sedere nel cielo. Ensemble. Insieme. Ensemble. Insieme. Pas tout seul. Non solo. Ensemble. Insieme. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nel cielo in Gesù Cristo. Et voici pourquoi après dans Romains chapitre 5 verset 17, il nous est dit: si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, le don et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Romains chapitre 5 verset 17. Infatti, se per la transgressione d'un solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, tanti più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. E ce don là, c'est Dorea. E quel dono è Dorea. Dorea qui veut dire que c'est un acte testamentaire. È un atto testamentario. Donc Jésus a fait un acte à sa mort. Gesù ha fatto un atto che alla sua morte. Il y aurait le salut. Ci sarebbe la salvezza. Il y aurait ici ce don qui serait donné. Ci sarebbe quel dono che sarebbe dato. Ce don où toi et moi nous allons régner. Quel dono dove tu e io regneremo. On régnera ici-bas sur la terre. Regneremo qua in terra. Mais en étant assis là en haut. Ma stando seduti lì. Parce que notre place est là en haut à nous. Perché il nostro posto è in cielo. Notre royaume que Dieu nous a donné, le don d'Orea, il est là en haut. Il nostro regno è di sopra al cielo. Et c'est plus les circonstances qui doivent déterminer qui je suis. E non sono più le circostanze che devono dire chi io sono. Ou qui je ne suis pas. O chi io non sono. Je suis, point. Io sono, punto. Comme Dieu a dit, quand Moïse lui a demandé qui veut dire que tu es. Je suis celui qui est. Quando Mosè chiede chi dirò che tu sei, sono colui che sono. Nous sommes déjà. Noi siamo. Le mot don, comme j'ai dit ici, c'était le mot Dorea. La parola Dorea. Et don. Le mot don, vous allez voir que ce soit en italien, que ce soit en français, il y a aussi le don qui s'appelle Doma. C'est une autre sorte. C'è pure quello dono Doma. Il y a le mot don, il y a aussi diaconia. C'è pure diaconia. Pour les ministères. Per i ministeri. Il y a le don aussi qui est carpos. C'è pure quel dono carpos. L'arbre qui donne son fruit. L'albero che dà il suo frutto. Cononia, la communion fraternelle. La comunione fraterna. C'est un don, la communion fraternelle. C'è pure un dono. Et certains disent non, on n'a plus besoin d'église. Certi dicono non abbiamo bisogno chiesa. C'est un don. È un dono. Il y a merismos. Merismos. Merismos du grec, c'est toujours un don. È sempre un dono. C'est une division, un partage, une séparation. C'è, è una separazione. Et là, on le voit dans Hébreux chapitre 2, verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles, par les dons, merismos, du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Ebrei 2:4, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza a loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. Un autre mot qui est utilisé pour don en grec, c'est charisma. C'est pure charisma. Qu'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. Corinzi 1:12. C'est une faveur reçue sans avoir rien mérité. Et una favore ricevuta senza meriti. Quand tu as le don de prophétie, le don de guérison. Quando hai il dono di profezia o di guarigione. Le don d'interpréter les langues. Il dono di interpretare lingue. T'as rien fait pour mériter ça. Non hai fatto nulla per meritare quello. C'est Dieu qui te le donne gratuitement. È Dio che te lo dà gratuitamente. Même si t'as péché, tu peux le faire. Anche se tu pecchi, lo puoi fare. Parce que la parole qui va faire que tu vas manifester ce don charisma. Perché quella parola che tu manifesti charisma. Ce sera pour aider quelqu'un d'autre. Sarà per aiutare qualcun altro.
Mais toi qui pèches, après Dieu va s'occuper de toi, il va s'occuper de ton problème. Mais dopo Dio si occuperà del tuo peccato. Et il y a encore, on pourrait expliquer encore avec ce don de Réa, je vais m'arrêter ici, mais regardez. Mi fermerò qui, ma guardate. Parce que bien souvent on va terminer avec ça pour savoir notre héritage, j'ai envie de clôturer avec cet héritage. Voglio concludere con quell'eredità. Regardez Apocalypse chapitre 2, c'est le quatrième point ça. Apocalypse 2. Verset 26. Verso 26. À celui qui vaincra. A chi vince. Qui sous-entend vaincra, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a eu des problèmes avant. Hein? Se diciamo che lui ha vinto è perché ha avuto problema prima. C'est que tu as eu des attaques avant. Hein? E che hai avuto attacchi prima. T'étais en plein dans un match entre toi et le diable. Hein? Tu stai facendo guerra con il diavolo. Et à celui qui vaincra. E a colui che vincerà. Et qui gardera jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il a mis? Mes œuvres. Je donnerai autorité sur qui? Sur les nations. A chi vince e persevera nelle mie opere, sino alla fine darò potere sulle nazioni. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Hein? È la Bibbia che lo dice. Apocalypse chapitre 2, verset 26. Apocalypse 2, 26. Gardera, qui vient du grec tereo. Gardera. Guardera. C'est à la fin du verset. Tereo, qui veut dire s'occuper soigneusement. Significa prendere cura. Prendre soin de. Garder. Prendere cura. À celui qui gardera. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans Jean, chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Giovanni 14, 12, 12, in verità vi dico che chi crede in me farà anche le opere che faccio io, ne farà di maggiore perché io me ne vado dal Padre. On a dit, il y en a beaucoup qui prêchent aujourd'hui qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Molti predicano che non siamo salvati per le opere. Pour le salut. Per la salvezza. Mais pour garder ton salut. Mais per tu trattenere il tuo, la tua salvezza. T'as des œuvres à accomplir. Devi fare opere. Tu as des œuvres. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, regardez, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les. Si on n'est pas sauvé par les œuvres, pourquoi il y a ce verset-là? Éphésiens 2, 10. Infatti, siamo opera sua, essendo. Stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparato finché le pratichiamo. Maintenant, l'héritage qui te revient. Ora l'eredità che ti reviene. Tu sais c'est laquelle? Tu sai qual è? Certains prennent comme héritage le fait qu'ils sont sauvés. Certi pensano che l'eredità è che siano salvati. Certains pensent que voilà, c'est les œuvres. Certi pensano che sono le opere. Certains pensent que c'est le ministère. Certi pensano che sono che è il ministerio. Apocalypse chapitre 3 verset 21 et je vais clôturer là. Apocalisse 3 21 concludo. Regardez. Notre héritage c'est quoi? Regardez pourquoi on combat aujourd'hui. Guardate perché stiamo lottando ora. Regarde pourquoi tu es attaqué mon frère, ma sœur. Guarda perché sei attaccato. L'ennemi est jaloux de toi. Il nemico è geloso da te. Celui qui vaincra. Chi vince. Je le ferai asseoir sur mon trône. Lo farò sedere presso di me sul mio trono. Je répète. Je le ferai, c'est Jésus qui parle. Je le ferai asseoir sur mon trône. Lo farò sedere presso di me sul mio trono. Comme moi j'ai vaincu. Come anch'io ho vinto. Et me suis assis. E mi sono seduto. Avec mon père. Con il padre mio.
sur son trône. Sul suo trono. Mon frère, ma sœur. Fratello, sorella. Tu savais pas pourquoi l'ennemi te combattait? Non sapevi perché il nemico ti combatteva. Dieu assis sur son trône. Dio seduto sul suo trono. Jésus assis sur le trône de Dieu. Gesù seduto sul trono di Dio. Et tu mets ton prénom. E dopo ci metti il tuo nome. Assis sur le trône. Seduto sul trono di Dio. Tu comprends pourquoi l'ennemi ne t'aime pas? Capisci ora? Tu comprends pourquoi l'ennemi te fait la guerre? Capisci perché il nemico ti fa guerra? Parce que l'ennemi ne veut pas que tu ailles t'asseoir sur le trône de Dieu. Perché il nemico non vuole che tu ti siedi sopra il trono di Dio. Parce que lui a voulu le faire. Perché lui ha voluto farlo. Et sa fin, ça a été quoi? E la sua fine. Au pied de l'église. Je rectifie. Sous les pieds. Sotto i piedi della chiesa. Sous les pieds sotto de l'église. Sotto i piedi. Tu comprends, mon frère, ma sœur? C'est quoi ton héritage? Qual è la tua eredità? L'argent? Les dons? I doni, il denaro. Les ministères? I ministeri. Non. Non. Le trône de Dieu. Il trono di Dio. La chaise de Dieu. Et l'ennemi est énervé avec ça. E il nemico è in rabbia con questo. Parce que lui a voulu voler ça. Perché il nemico ha voluto rubarti questo. Et ça c'est ton héritage. E quello è la tua eredità. Ça c'est mon héritage. Quella è la mia eredità. Ça c'est notre héritage. Quella è la nostra eredità. Parce que sur ce trône j'y serai assis. Perché su quel trono ci sarò seduto. Mais toi aussi. Ma tu anche. À celui qui vaincra. A colui che vincerà. Tu pensais abandonner? Pensavi mollare. Tu pensais que Dieu ne t'aimait pas? Pensavi che Dio non ti amava. Tu pensais que Dieu était fâché avec toi? Pensavi che Dio era arrabbiato con te. Dieu n'est pas fâché avec Dio toi. Dio non è arrabbiato con te. Un père n'est jamais fâché vis-à-vis de ses enfants. Un padre non è mai arrabbiato con i suoi figli. Mais l'ennemi est fâché après. Ma il nemico sì. Alors, si tu veux avoir accès à ce trône. Se vuoi accedere a quel trono. J'ai parlé tantôt de patience et persévérance. Parlato di pazienza e perseveranza. Karine et moi. Karine et Dio. C'est ce qu'il te faut. È quello che ti manca. La patience dans les attaques. Pazienza negli attacchi. Et persévérance. E perseveranza. Parce que tout ou tard l'ennemi va se fatiguer. Perché il nemico si stancherà. Et c'est à ce moment-là que Dieu va te dire. È al momento lì che Dio ti dirà. Frappe. Colpi. Et quand tu vas frapper. E quando colpirai. L'ennemi va tomber à terre. Il nemico cadrà. Alors, mon frère, ma sœur, on se lève et on combat. Alziamoci e combattiamo. Parce qu'il y a une place qui nous est faite là en haut. Perché c'è un posto che non seulement des chambres. Non solo stanze. Mais il y a un trône qui nous attend. Ma c'è un trono che ci aspetta. Il y a un trône qui attend tes petites fesses qui viennent se poser dessus. C'est le trône qui ti aspetta. Elle n'a pas voulu traduire. Allez, on se lève. Père éternel, je te remercie, Seigneur. Parce que, Seigneur, il est vrai, Seigneur, des fois, Seigneur, nous nous demandons, Seigneur, pourquoi l'ennemi, Seigneur, s'acharne comme ça, Seigneur, contre notre œuvre, Seigneur. Pourquoi l'ennemi, Seigneur, s'acharne, Seigneur, contre un tel frère, une telle sœur, Seigneur Jésus, Seigneur. Mais Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous avons compris, Seigneur, que nous avons un héritage, Seigneur. L'héritage, Seigneur, c'est que tu vas nous donner, Seigneur, ton trône, Seigneur Jésus, Seigneur. Nous allons, Seigneur, venir, Seigneur, nous asseoir, Seigneur, sur ce merveilleux, Seigneur, trône, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu nous aimes, Seigneur, d'un amour, Seigneur, qu'on ne peut mesurer, Seigneur Jésus, Seigneur. Et tu es, Seigneur, vraiment, Seigneur, ce Dieu, Seigneur, qui est compatissant, Seigneur. Ce Père, Seigneur, qui est rempli, Seigneur, d'amour, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Merci pour mon frère et ma sœur, Seigneur, qui est en train de combattre, Seigneur. Parce que je sais, Seigneur Jésus, Seigneur, que tu vas leur donner, Seigneur, la force, Seigneur, d'avoir, Seigneur, de la patience, Seigneur, mais aussi, Seigneur, de la persévérance, Seigneur, pour gagner, Seigneur, ce combat, Seigneur. Et je te dis merci, Père, parce que tu nous
équipe, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous avons, Seigneur, là-haut, Seigneur, notre héritage, Seigneur, qui est déjà préparé, Seigneur. Et nous sommes, Seigneur, déjà, Seigneur, assis, Seigneur, sur ce trône, Seigneur Jésus, Seigneur. Quand nous avons décidé, Seigneur, de ne plus rester, Seigneur, des enfants, Seigneur. Je te dis merci, Père, parce que chacun d'entre nous, Seigneur, va prendre, Seigneur, la victoire, Seigneur. Parce que le seul mot d'ordre, Seigneur, qui nous est donné, Seigneur, c'est victoire, Seigneur. Victoire en ton nom, Seigneur. Parce que toi seul, Seigneur, as gagné, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, l'Église, Seigneur, est dans un tournant, Seigneur Jésus, Seigneur. Et le temps d'accélérer, Seigneur, arrive, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire, Seigneur. Parce que l'ennemi de nos âmes, Seigneur, est déjà vaincu d'avance, Seigneur Jésus, Seigneur. Tu savais, Seigneur, avant la fondation, Seigneur, du monde, Seigneur, ce que chacun d'entre nous, Seigneur, allait devenir, Seigneur Jésus, Seigneur. Nous savons, Seigneur, quand nous lisons, Seigneur, le livre d'Apocalypse, Seigneur. Quelle est la fin, Seigneur, du diable, Seigneur? C'est cet étang de feu, Seigneur, qui l'attend, Seigneur Jésus, Seigneur. Mais nous, Seigneur, c'est ton trône, Seigneur, qui nous attend, Seigneur. C'est ton trône, Seigneur Jésus, Seigneur, parce que tu es Dieu, Seigneur Jésus, Seigneur. Oui, tu es Dieu, mais tu es notre Père, Seigneur. Et tu nous aimes, Seigneur, d'un amour, Seigneur, qu'on ne peut mesurer, qu'on ne peut peser, Seigneur Jésus, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, pour tout, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Ce message, Seigneur.